Alors, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on est en compagnie de mon frère, hein Nolan? Ouais, bon bah ils sont pas un peu les couilles de ma vidéo, hein, on va pas se cacher. Alors, pour cette vidéo, bah, je vais vous montrer une compilation de 4 glitches sur Granny. Donc ça charge. Ou si vous entendez un petit bruit de fond ou des trucs comme ça, c'est normal, hein. Bon alors, c'est parti. Alors, pour le premier glitch, on va mettre en practice pour pas grainer cela, parce que je vais vous montrer le glitch sans grainer, parce que grainer ça va être bien casse-couille. Ouais, c'est parti. Donc après, est-ce que tu pourras mettre la maison dans le noir? On voit pas. Non, non, je ferai plus tard. Bon allez, c'est parti. Alors, le premier glitch, je vais vous montrer comment on peut aller... comment on peut... Je sais pas comment introduire, on peut descendre tous les étages de grenier avec un glitch, en fait on peut passer à travers un mur. Je vais vous le montrer tout de suite. Alors en fait ce glitch il est toujours accessible, hein. Il se fera jamais patch parce que voilà, grenier c'est un jeu pas très connu. Non, non, arrête. Bon allez, c'est parti. Alors il faudra se rendre ici. Faudra aller ici et faut déplacer ça. Putain, c'est un peu galère. Alors, faut se rendre ici, faut pousser les trucs là. Faut se mettre accroupi. Attends. Et là, vous voyez normalement quand on est dans le passage, quand on se met accroupi pour passer dans le passage plus bas là. Quand on se met accroupi, quand on se met au milieu du passage, et ben on peut pas se lever là. Alors que sur ce passage, je sais pas, ils ont peut-être oublié de mettre un truc, on peut se lever. Alors faut se lever et au bout d'un moment, on va passer à travers. Je sais pas, faut se mettre au bon endroit, je sais pas trop. Des fois ça marche. Bon, ça peut prendre un peu de temps, mais vous aurez essayé pas mal de fois, après ça va marcher à un bout d'un moment. Non. Bon, vous pouvez essayer de vous déplacer un peu, ça marche pas. C'est un peu galère, c'est bien chiant surtout. Putain, c'est possible ça. Ah, c'est bon. Enfin, comme vous voyez, je suis passé à travers ça. Du coup, je suis allé juste en dessous. Et là, en fait, je sais pas, je suis dans un mur à moitié. On peut voir pas mal de pièces. Et aussi, quand on avance un peu par là, on peut prendre ça. Même si c'est de l'autre côté du mur. C'est un peu complètement bugué. Et après, quand on descend, quand on tombe, ben, on va tomber ici. Je sais pas, mais on tombe toujours ici quand on fait enfin, des glitches comme ça. Alors, bah pour le deuxième glitch, ce sera un peu le même truc. Sauf qu'on va faire ça, mais à un endroit différent. Ça va, en fait, on va juste redescendre, on va retomber à l'endroit de tout à l'heure. Alors, faudra activer ce levier. Alors ça va s'ouvrir, la bibliothèque va s'ouvrir. Bon, là, faut mettre le livre et tout ça, mais j'ai pas envie de faire la quête pour l'instant. Alors, faudra se mettre ici, et là, faudra se lever. Juste en dessous du truc. Faut se monter. Ah bon, ça marche quasiment du premier coup. Voilà, je suis descendu et je suis retourné où j'étais tout à l'heure, là, ici où il y a le garage et tout ça. Alors ça c'était le deuxième glitch. Le troisième glitch, bah en fait c'est juste ici. Faut aller se mettre ici où il y a le puzzle et tout ça là. On va dans l'escalier, on s'accroupit et là on peut monter sur les tonneaux en étant accroupi. Et après on peut aller sur la table. Faut toujours rester accroupi, on peut s'avancer quand on se lève après. Attends, on se raccroupit là, on est sous la table, c'est vraiment, j'aime bien ce glitch. Et après qu'on avance, on sort automatiquement, ça nous sort. Moi ouais, je suis passé de l'autre côté du mur. Bon, c'est un petit glitch, c'est moi qui ai ce découvert, je trouve que c'est pas mal. Alors pour le mode sur le grenier, je crois que c'est tout. Donc on va retourner au menu. On va mettre non, j'ai pas avec l'achat. grenier. C'est reparti. Bon, là je mets en mode easy parce que sinon Granny il va venir tout de suite sur nous et va nous tuer et j'arriverai pas à faire le glitch. Ouais, c'est parti. Mais là, t'es Granny. Ouais, c'est un glitch avec Granny. Je crois pas que tu le connaisses, mais tu peux regarder si tu veux. Alors ça c'est le troisième glitch. Là faut mettre Granny sinon ça marchera pas. Sinon voilà, ça marchera pas. On transforme Granny dans le Alors mur. faut descendre l'escalier. On passe par la cuisine et là on peut passer par la fenêtre. Normalement faire tout le tour, mais c'est plus rapide d'aller par là. Alors faut se rendre ici. Et là on va se mettre en couchette pour que Granny vienne. Là Granny va arriver. Et on va se mettre ici, on va l'attendre.
sachant qu'elle est un peu lente vu qu'on a mis en easy. Il faut attendre un peu qu'elle arrive. On entend les petits bruits de pas là. Ah, elle ouvre la porte. Alors quand elle va se rapprocher, là, va falloir se mettre juste ici sur la palette. Et regardez, elle se rapproche de nous et là on se met sur la palette. Elle va croire que je suis de l'autre côté, du coup elle va rouvrir la porte. Du coup tu te remets là. Et là tu peux voir Granny fait plein d'allers-retours. C'est trop drôle. Là du coup quand je l'ai, elle va repasser par la porte, elle va aller de l'autre côté de la fenêtre parce que le jeu est un peu buggé en fait. C'est trop drôle. Après si on reste comme ça, elle va nous tuer, il faut retourner là, hop là. Et elle va repartir de l'autre côté. Ouais, mode. Ah, je vais te tuer là. Mais c'est comme une plan. Oh non. Bon bah tu, de toute façon c'est pas grave, vous avez compris le glitch. Attends, j'ai essayé de le faire. Et pour le dernier glitch, il est un peu plus complexe. Désolé, Granny. Non. C'est un peu plus complexe, faudra... Bah en fait, faudra se rendre au même endroit quasiment. Juste à côté. Mais mon cœur quand on fait mon Granny dans la même. Je ne connais pas parce que c'est pas très... Ah ouais. Ouais, je fais le pas très courant. Alors, c'est en fait, c'est juste un petit glitch. Bon, je sais pas, c'est trop un glitch en fait. Surtout un peu un bug du jeu. Faudrait juste trouver un... Ah bah attends, faut juste prendre un objet, j'étais en train de fouiller sur autre chose, je me coupe lequel. Il y avait... Ah oui, j'ai juste un vase ici. Voilà, je prends le vase, vous prenez un objet, n'importe lequel. Ouais, il faut n'importe aller... quel objet, hein, ce que vous voulez. Il faut aller dans le garage. Alors, ah oui, merde, faut pas aller là. Mais Granny, t'es chiant. Faudra se rendre tout en bas. Ah mais je crois qu'elle arrive peut-être par là. Merde. Faut être dans le garage et la voiture, mais là vu qu'il y a Granny, c'est un truc de galère d'y aller. Putain, j'aime pas ce truc, à chaque fois j'ai galère à passer. Bon, essayez de pas vous faire tuer par Granny parce que sinon voilà, vous avez pas le temps. En plus après quand vous serez tué 3 fois ou 4 fois, vous aurez des taches de sang, ça va bien chiant. On va comme moi quoi, je suis en 5ème. Alors voilà, on va se rendre, on a fait le tour. Attends. Ouais, non, en fait, je vais pas faire ça parce que c'était pour qu'elle arrive, mais pourquoi elle va mettre pas en temps de venir. Alors on va se rendre ici. Ah, si, c'est par là le gars. Faut aller où il y a la voiture. Alors on ouvre le hammam. On lance un objet dedans. En fonction qu'elle vienne dans le hammam. C'est un peu bizarre vu qu'elle a un grenier dans le garage, en même temps elle est un peu toc toc. Hein. Désolé, si. Donc voilà, on va se cacher dans la voiture pour pas qu'elle nous voie. Et vu qu'on a fait tomber le vase dans le garage où tu fais tomber un objet, et ben un grenier va venir dans le garage et on va l'enfermer dans le garage. Et on va la tuer. Non. Une petite technique pour tuer Granny si vous avez pas d'armes. Pourquoi ça marche pas ton glitch? Mais je vais te montrer après. Alors on ferme la porte, on doit se dépêcher parce que sinon elle peut ouvrir la porte et te tuer. Tu fermes et t'actives la même. Là on peut regarder par le petit trou là. Pourquoi d'une fois j'ai fait ça, elle m'a ouvert la porte et elle m'a tué. Normalement c'est pas possible. Normalement faut attendre un peu, normalement elle va mourir à cause du MM. Par contre, là elle est morte. Après il faut désactiver le MM même parce qu'il y a de la fumée quoi, c'est chiant. Ouais là elle est un peu... je sais pas, elle est bizarre parce qu'en fait c'est à moitié buggé. Ah bah là son bras il est pas buggé mais des fois son bras il est buggé. Bon là on peut voir son corps, hein, voilà. Attends on va éteindre la MM parce que c'est bien chiant. Oh merde, là j'ai mis on. Je l'avais déjà éteint. Off. Voilà, alors là, il y a le corps de Granny. J'adore, je sais pas, son corps est un peu dégueulasse quand il est mort. Tu peux voir les... Bon, allez, maintenant, je vais vous dire salut. C'était la vidéo de Glitch Granny. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, un pouce en l'air, et à activer la cloche de notification. Et merci pour toutes les personnes qui s'abonnent, et ciao pour une nouvelle vidéo.